Action! Et merde! Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment monter des pneus tubeless. Parce qu'effectivement, de plus en plus de marques proposent maintenant des modèles tubeless. Donc pour ça, il vous faut une roue tubeless, un pneu tubeless, une pompe qui marche quand même assez bien et une valve tubeless. La première étape, ça va être de monter la valve. On enlève le petit capuchon, hop, le serrage en fait va venir comprimer ce joint contre la jambe. Donc ce joint, on va bien le plaquer en haut. On vient positionner la valve, hop, en appuyant et ensuite on vient visser le tout. Alors il faut bien visser à fond. Et pas avoir peur de forcer un petit peu. Ensuite, on prend le pneu. On vient le mettre sur la jambe. On fait bien attention au sens de rotation du pneu. On suit la flèche et on vient mettre le pneu tout au long de la jambe. Alors l'idée, c'est de pouvoir le tirer le maximum pour avoir le plus possible de matière une fois en bas. À noter que les pneus tubeless, c'est toujours un petit peu plus chiant à mettre que des pneus classiques. Une fois qu'un côté est mis, eh ben, on recommence avec l'autre côté. Et pareil, on vient tirer au maximum le pneu, on vient le faire pivoter. Et là, notre pneu, il est placé. Ensuite, il vous faut une bonne pompe. Parce que si vous essayez avec une petite pompe à main ou un truc comme ça, vous n'allez jamais réussir. Vous n'allez jamais réussir à le faire claquer. Rassurez-vous, à la pompe à main, c'est quand même faisable. Il suffit juste d'être un petit peu vif. Et là, on maintient bien jusqu'à ce qu'il claque. Voilà, donc une fois que votre pneu a claqué, c'est qu'il est bien installé et qu'il ne bougera plus. A noter que pour le tubeless, vous pouvez mettre du liquide préventif. Ça vous permet de pallier aux petites crevaisons. Le liquide préventif vient boucher immédiatement le trou. Alors pour ça, c'est assez simple. C'est avant de gonfler le pneu, on démonte l'obus de la valve. On vient injecter à la seringue du liquide préventif, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Comme ça, on reviendra plus précisément là-dessus. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de regarder nos autres vidéos. Bah, ça vous permet de manger des bonbecs et puis en plus, peut-être que vous aurez d'autres tutoriels mécaniques qui pourront vous aider.